Michel Sardou était l'invité de Yann Barthès, ce mercredi 5 mai, dans son émission du quotidien, diffusée sur C8. Le chanteur était venu présenter son livre dans lequel il revient sur les grands moments de sa vie, ses premiers amours, la mort de son père, ses rencontres avec Johnny Hallyday, Barbara, Michel Fugain, Eddie Mitchell. Ses fils à qui il a transmis son âme d'artiste, sa passion pour le théâtre. Des confessions qu'il évoque sous forme de dialogue fictif avec sa mère, Jackie Sardou. La vodka et le hashish, ça donne faim et ça rend con. Une comédienne avec un vrai tempérament, commente le présentateur de C8. Elle avait un franc-parler tout à fait particulier, surenchérit Michel Sardou, beaucoup de phrases que je lui fais dire dans mon livre, elle les a prononcées, assure l'interprète des Lacs du Connemara. Ce dernier va alors illustrer son propos avec une anecdote surprenante. Un jour, avec Johnny, on avait bu pas mal et on avait fumé un joint. Elle vient et elle me dit, la vodka et le hashish, ça donne faim et ça rend con, se souvient le fils de Jackie Sardou. Une émission durant laquelle, Michel Sardou a également regretté l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, allant même jusqu'à évoquer sa haine du siècle. Est-ce que ce siècle m'emmerde? Oui. Cesse d'exclamer le chanteur qui déplore le fait qu'on ne peut plus rien dire, honnêtement, soyez quand même d'accord avec moi, ce n'est pas la plus belle période de notre vie. Moi je l'ai connu la belle période, on pouvait picoler, on pouvait fumer partout, a conclu Michel Sardou.